business reduction. C'est monsieur, c'est la perruque sur la tête là. Pardon? Non monsieur, je demandais si le bateau, la configuration là, je suis comme ça. La chourie. Bon, arrête, tu racontes. Hein. Comment tu peux dire du coup que je vais savoir ensemble? Je t'ai dit que c'était raconté. Pourtant, hier, tu m'as promis qu'on devait aller ensemble. Oh, moi, je suis resté, j'ai attendu le coup de fil. Dès que le téléphone sonnait, je me disais que c'était toi. Pourtant, c'était bon. Pas toi. Ok, voilà, là, je vais partir. Et tu sais, le matin, j'étais au sport, le corps, je dois l'entretenir. Tu sais, là, je suis là, je n'ai pas d'argent. Et j'ai besoin d'argent pour pouvoir. Mais coucou, je t'ai donné 100 000 francs hier. Et comme la tête chauffait, j'ai attendu ton coup de fil, tu m'as pas appelé, j'ai appelé mes amis. Bon, j'ai aussi fait un tour, c'est fini. Donc je suis là, je n'ai pas d'argent. Donc tu as gaspillé 100 000 francs comme ça. D'après toi, 100 000 francs c'est quoi? Quand on sort d'habitude, on dépense combien? 100 000 francs, c'est toi qui m'habitues comme ça, 100 000 francs c'est quoi? Ok, c'est ok. Tu gaspilles trop d'argent. Non, c'est pour entretenir, c'est quoi mon bébé? Mais cette fois-ci, je ne vais pas te donner 100 000. J'espère que 50 000 ça ira, non? Oui, ça va. Là. Mais ne dépense pas tout. Hein. Banco, quand tu as la collection, je vais vous distribuer les notes. Vous avez fait mal travail. Et les notes vont des plus mauvaises aux plus bonnes. Et Tundi Margot Fleurette. 1,5. Z Nyanga. Comme d'habitude. Monsieur, elle a eu combien? 1,75. Mais coucou, tu pars comme ça, même pas un bisou. Non, c'est l'oubli, mon bébé, tu sais. Je vais te donner. Ok, tout à l'heure. Alors. Ouais, bye. Ok, bye bye. Diabète, Max. Oh. Marco Ledoux. C'est sa voisine. Bon, voilà, Michel. Bonjour, monsieur. Bonjour.
Bakene Kevin connaît 15. Et Samba Sorel, oh calmez-vous. Et Samba Sorel 18. Voilà, c'est Henri. T'as coupé après quoi? Comment pour être à la fin? J'aurais dit ton mec, t'as coupé en premier. 0. Oui, monsieur. Où sortez-vous? Monsieur, j'avais rendez-vous chez mon esthéticien. J'avais ma séance de pédicure et manucure ce matin. En tout cas, les résultats, c'est en fin d'année. 1,115. Bon. Et j'allais oublier. Il y a quelque chose. Vous ne deviez pas oublier qu'un benzène sans noyau n'est pas un benzène. Tout comme un homme sans noyau n'est pas un homme. Une marque. Qui a dit ça? Le 10h. Mais c'est comme si c'était dehors. Monsieur Mbakemi, vous avez moins 5 au prochain devoir. Allons, mais. Pardon, monsieur. Monsieur Postenman, n'oubliez pas votre périple. Mais je t'attends depuis. T'as vu si on est à la cantine. Ah. Il y a quoi ma part? Mais on m'a tété ça. Tu as vu Nyanga? Oui, tu es comment Nyanga elle? Tu vois Nyanga est bien coiffée, comment Nyanga? Les chaussures, elle a de belles ballerines au pied. Moi, regarde comment je suis. Allô, monsieur Gabriel. Oui, j'ai fini, on se retrouve au ministère. Monsieur, c'est par rapport aux notes. Il n'y a pas moyen d'arranger ça. Moi, je ne suis pas là pour ça. Votre prix est le mien. C'est vous le Cameroun de demain. Vous deviez changer la mentalité d'aujourd'hui. Monsieur, 100 000, 200 000, c'est comme vous voulez. Vous deviez changer la mentalité d'aujourd'hui. Hein? Pas que vous venez parler à faire argent et qu'on soit avec les personnes. Après, on va nous saboter dans tous les ministères. Monsieur, vous osez refuser mon argent. En tout cas, mon père va personnellement s'occuper de votre cas. Ah. Bah oui. Moi, je ne succombe pas à l'intimidation. Et on verra. On va alors faire comment pour arrondir les nœuds de la copine. Nyanga est d'une famille bourgeoise. Moi, je suis pas comme elle. Toi, tu comptes sur moi. Ça veut dire que je veux que tu fasses aussi des efforts pour moi, non? Que tu sois aussi de me mettre, je sais pas, pas à son niveau, mais quand même que je ressemble aussi à quelque chose, non? Moi, je veux que tu sois juste patiente. Je sens quoi il lève. D'ici peu, les choses vont changer. Quand tu me promets, alors tu me fais des promesses. Tu veux qu'elle fasse quoi? Hein? J'espère qu'en entrant, la personne t'a vu. Personne qui en cachette. Tu me connais, non? Non, juste parce que tu sais, cet établissement, le mur dans les oreilles. Donc, je voudrais fonctionner avec toi. Tu sais, j'ai envie de construire quelque chose de plus sérieux, de plus mûr avec toi. Mais il faut qu'on soit très prudent. Hein? Ok. Voilà. Il faut qu'on fasse des choses. Et pour les aides d'absence, tu vas régler ça. Les aides d'absence? Non. Tu as quel coup en ce moment? Un truc comme la géographie, je pense. Un truc que je n'aime même pas d'abord. Monsieur le chef de classe, où est passée mademoiselle Signorita? Ah, monsieur, elle est sortie dehors. C'est comme ça l'habitude quand elle soit dehors. En fait, ce n'est pas un problème. Moi, je peux ton bras. Ah, oui.
Ton bracelet là est joli, j'aime ça. Oui, señorita, mais si c'est ma femme qui me l'a offert pour notre. Et puis comment je veux ça? Tu vas acheter un autre? Non, je te dis que c'est ma femme qui me l'a offert. Ouais. S'il te plaît. Hein, non, tu vas me donner un cadeau. Non, je t'achèterai un autre moi, bracelet. Moi je veux ça, tu vas acheter l'autre pour toi. C'est ma femme qui me l'a offert. Oui, tu vas dire un truc à ta femme, peut-être qu'on t'a volé en route, tu sais pas. Regarde comment c'est beau. Regarde ça, brille. Moi j'ai mes choses qui brillent. Tu sais, même naturellement, tu es une belle fille. Alors, et tout ce que tu mets, tu transformes tout ce que tu touches en or. J'ai une question qui vaut 3 points. Citez-moi 5 causes de l'érosion. Bon, monsieur, bon, monsieur. Oui, monsieur, t'en choc finalement. Ok. Chaud. C'est un mannequin. Chaud à mort. C'est le style de sa qualité. Go, Michel. Monsieur Tenseur Philomène, on vous écoute. Les 5 causes de l'érosion. Monsieur, les 5 causes de l'érosion. On a d'abord les pluies. Yeah. Les pluies, là, monsieur. Yeah. Il y a encore le soleil. Yeah, j'espère. On est plus jeté, non. Monsieur, les 7 points. Il y a encore les vents. Monsieur, il y a encore l'homme. Ouais. Ah, il y a encore l'homme là. Monsieur, il y a encore la dernière cause là. Garde ça très précieux. Hein. C'est ton cadeau. Voilà. Tu peux jeter ça. Il faut que tu gardes ça parce que moi j'ai envie de construire quelque chose de très sérieux avec toi. Il ne faut pas qu'on mélange les choses. Il faut être très prudent. Un professeur te dérange, tu m'appelles. Un petit, même si c'est le proviseur, le principal de cet établissement, c'est moi qui vais le remplacer ici. Donc, dans quelque chose comme 2-3 ans, je serai à la tête de cet établissement. Et les trucs comme heures d'absence, tu payes la pension, machin, truc, ça ne sera plus d'actualité. Tu vas fréquenter ici comme tu voudras jusqu'à ce que tu te fatigues que tu fréquentes. Et il y a même une mauvaise note là. Je ne sais pas où c'est en maths. J'ai eu 4. Tu peux voir ça avec le professeur. C'est un petit problème, je t'ai dit. Je sais pas pourquoi tu n'arrives pas à me faire confiance. Monsieur Danson, je me rends compte que vous n'avez pas pu citer le tout. Viens reprendre place, monsieur. Mais monsieur, il n'y a même pas juste pour une dernière. Non, viens reprendre place. Une dernière pause, monsieur. Ça va. Je m'en vous avez compris. La dernière pause. Merci. Mais mademoiselle Sonita, d'où sortez-vous? Elle est partie chier, monsieur. Ça va me faire la prochaine fois. La paix. La paix. Nyanga, nyanga, un instant. Regarde, tu m'as que. Jean-Wé, là, je voudrais te dire un truc. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a? Je voudrais te dire que. Mais parle! Qu'est-ce qui ne va pas? Gars, c'est que c'est dur. N'aie pas peur de mes yeux, mon petit. Non. Exprime tes sentiments. Je veux bien te dire, mais c'est que ta copine, c'est dans mon bongo. C'est encore nous. Le petit du laïcien. Petit frère, ne tue pas ce que tu ne peux pas manger. Maintenant, regarde derrière toi. Viens, viens comme ça là. Grand frère. Petit, tu voulais lui dire quoi? Mon bébé, viens. Bébé. Grand frère, je voulais seulement lui demander. Dis-lui. Non, grand frère. Tu voulais dire quoi? Dis. Grand frère, je voulais seulement demander son livre de maths. Par rapport à quoi? Tu n'as pas le livre? Non, grand frère. Tu demandais quoi? Parle, non? Gars. Exprime-toi. Est-ce que tu sais que j'étais derrière toi depuis un bon bout? Non, grand frère, on a donné un devoir là. Je n'ai pas le livre à la maison. Je venais. Regarde-moi en face. Tu sais qui je suis? Non, grand frère. Oui, viens, tu vas lui dire. Non. Que veux-tu que ma chérie? J'ai demandé son livre. La dernière fois, il t'a dit quoi? Que je ne veux pas voir les petits pingouins sur lui après toi. Son livre, c'est seulement son livre. Est-ce que tu sais que tu me rends jamais, ma chérie? Bah, est-ce que j'ai demandé à ces garçons de me suivre? Arrête son grand frère, c'est oui, son. Oui, exprime-toi donc, petit. Tu me perds le temps là! Grand frère, c'est son livre, c'est son livre que venait demander. Grand frère! Hey, c'est son livre, c'est son livre qu'elle est venu demander. Regarde-moi que je te parle. Pardon, grand frère. Eh, bébé, viens, approche. Grand frère, pardon. Pardon. Il voulait quoi? C'est ton livre qui a demandé. C'est son livre, grand frère, pardon. Petit pardon. Frère, que ça soit la dernière oui, fois. Si tu te vois encore rôder autour de cette fille. Grand frère, j'ai compris. Est-ce que tu sais que c'est ma femme? Grand frère, il ne savait pas.
Il t'a demandé, grand frère, pardon. Je t'ai dit que ça soit la toute dernière fois. Frère, je ne veux plus te voir rôder autour de cette fille. Pardon, pardon. Oui, grand frère. Où es-tu, sais? Lève-toi. Pousse. Grand frère, pardon. Gaga. C'est quoi? J'ai vu le lion là-bas. Quel lion? Chino, le gars de Nyanga. Hey, je suis tombé sur le gars de Nyanga. Il n'a rien fait. Tu n'as pas su qu'il arrive? Non, j'ai Ron, le feu sort. Descendant déjà, mon frère. Tu vas chercher le gars de Nyanga. Ils sont pas sortis dans le bon temps, frère. Oh. Frère, moi je sors du poulailler, j'ai faim. C'est un bon poulailler. Ah, papa, tu vois ce qu'il voit là? Ah, c'est. Laisse-moi dans les sorties mon courroucou vers tes bras. Hey. Je t'attrape. Bonjour, papa. Le père de ta mère. Ça veut dire quoi? Tu n'as rien chérie, à dire, tu t'assois. Tu es belle. Tu es belle comme Charlotte Dipanda. Tu es jolie comme Lady Ponce. Tu es jolie comme Caresse Foto. Ago Mare Rio, ma chérie. Tu veux marier qui? Hé, hey, papy, laisse la mannequin aller montrer comment on drague la femme. Tiens, non? Bonjour, Lago. Même ça, là, non, ça va aussi. Ça, c'est sur le marché, tu voulais quoi? Pénètre d'abord la main, non? Quoi? C'est le responsable, ma quoi, qui vous parle. Pénètre d'abord la main. Quand je te vois, ta vie douce, ma vie douce, j'aimerais que nos vies douces ensemble. Et quand je te vois comme ça, je sens qu'il y a un feeling de douceur entre moi et toi. Malgré la beauté qui s'éloigne de toi, j'ai au moins de la politesse. Écoutez un petit extrait de mon kouroum kouroum vers ton bras. Eh père. Eh papy, non, non, quoi, on drague les lèvres d'un gars et mimba même man. Bien ou pas obéir à Rico man. Je vais m'entraîner tenir avec vous une minute. Non, j'ai pas le temps, je rentre des classes, je suis fatiguée, j'ai ma copine en train de rentrer. D'accord. C'est pas intéressé. D'accord, venez, venez, venez. Je vais pas vous mordre, venez. Ok, je vais vous laisser ma carte. Non, ça va, pas de carte. C'est juste une carte, c'est juste une carte. Non, 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 j'ai pas besoin. Tenez, tenez, c'est juste une carte. Tenez, appelez-moi. Tenez. Tenez, je ne vous promets rien. Tenez, tenez. Ne vous promets rien. Tu peux me donner rapidement la définition de MST? Oui madame, MST veut dire c'est la malformation des seins tordus. Madame, MST signifie maladie sexuellement transmissible. Effectivement, MST signifie maladie sexuellement transmissible. Vulgairement aussi appelé IST, ça veut dire infection sexuellement transmissible. Généralement, les MST ou ST sont transmis par plusieurs micro-organismes. Tu as oublié quelque chose. Oui, qu'est-ce que c'est? Il y a un mot. Et dis. Allez, dis alors. Pour parler de MST, il faut qu'il y ait le mélange entre les garçons et les filles. C'est son domaine. Il peut me citer les différents types de micro-organismes.
Oui. Madame, nous avons les virus. Ce sont les ordinateurs. Nous avons les virus, nous avons les champignons, les bactéries et les parasites. Qui peut donc me citer les modes de prévention contre les MST? Oui, monsieur. Nous avons les préservatifs. Bien. Quoi d'autre? Ici, vous ne parlez pas, c'est donc qui a rangé ça. Oui, au fond. Nous avons les chaussettes. Les chaussettes, c'est quoi? C'est vous. Je suis... Non, aussi, l'esprit sans me bien faire. Nous sommes enseignés. Nous allons parler de l'abstinence. Sans bien faire, c'est quoi? C'est l'abstinence, non? Nous sommes enseignés. Est-ce possible alors? Oui, c'est possible. Non. Monsieur. Madame, c'est pas moi. Donnez-moi ce papier. Tu vas dire là, tu vas être quoi? C'est pas moi. Oh. Nyanga, je suis fou de toi. Quand je te vois, mon cœur fend le bois. Silence, s'il te plaît. Quand tu me regardes, il y a éruption dans mon pantalon. Laisse ça. Silence, s'il te plaît. Dis-moi aussi que tu m'aimes. Oh, même si tu me manques, dis-le moi quand même. Et tu ne dis pas. C'est comme ça. Madame, je passais seulement. Vraiment, ça ne vaut pas la peine. Madame, laissez les garçons de cette classe exprimer leur amour pour moi. Si je suis belle, c'est naturel. Votre fille, mademoiselle Zenyanga, ne vient pas à l'école régulière. Et quand elle se permet d'arriver à l'école, elle vient en retard. Et non seulement du retard, ce qui est très grave, monsieur Z, c'est qu'elle se permet de corrompre les professeurs dans cet établissement. C'est inacceptable. Nous ne pouvons pas le permettre, monsieur Z. Ça, c'est. Cet établissement a une réputation, monsieur Z. Et moi, je. Il est de mon devoir quand même de préserver vraiment cette réputation-là. Votre fils est une récalcitrante. Et je suis là pour assurer leur avenir. Et ça, voilà pourquoi je vous appelais. Pour que vous essayiez de revoir un peu sa conduite. Rappelez-moi votre nom. Vous avez dit vous appelez. Je m'appelle Monsieur Wafo. Je suis le directeur de cet établissement. Monsieur Wafo, vous savez qui vous avez en face de vous? Monsieur Wafo, répondez-moi. Vous savez qui vous avez en face de vous? Je sais bien qui vous êtes, Monsieur Z. Si vous permettez d'élever le ton quand vous me parlez. Vous savez à qui vous avez affaire? Monsieur Z, je parle de l'éducation de votre fille. Vous donnez trop d'argent à votre fille. Des centaines de mille que vous donnez. Elle vient à l'école, elle se permet de faire du n'importe quoi. Elle traumatise les autres élèves. Ma fille fait ce qu'elle veut de son argent. Mon argent, c'est l'argent de ma famille. Et ma fille en dispose comme elle veut. Est-ce que tu comprends? Ça, c'est un établissement de merde. Ma fille est ici pour perdre le temps en attendant que je l'envoie en Europe. Son avenir est déjà assuré. Là-bas, c'est le système européen, ça. Ce n'est pas ici. Ici, il y a des enfants qu'elle se permet de traumatiser avec les moyens que vous lui donnez. Ce n'est pas bien. Ce n'est pas bien. Gardez vos moyens pour vous. Qu'elle arrive à l'école, qu'elle vienne faire son travail. Tout ce qu'on attend de vous, c'est assurer. Vous rassurer qu'à la fin du monde de cette année, quel est son examen. Est-ce que je me fais comprendre? D'ailleurs, si tout se passe bien, Monsieur Wafo, voilà l'argent. Monsieur Z. Hmm? Laissez-la à la maison et trouvez-lui un répétiteur. Ne venez pas ici m'insulter avec de l'argent. Vous pensez que c'est comme ça qu'on peut construire ce pays? Avec la corruption? Monsieur Wafo, je crois que j'aurais tout entendu sur cette terre, mais je ne croyais pas rencontrer des hommes aussi idiots que toi. Il semble qu'on ne se comprend pas bien. Vous pensez que vous pouvez acheter n'importe quoi avec de l'argent? Hein? Monsieur Wafo, c'est l'argent qui construit tout. C'est l'argent qui fait tout. Et tout s'achète. Je vais te dire, j'ai les moyens et je peux te faire effacer. C'est-à-dire? J'ai l'impression que... Écoutez un peu mon conseil. Mais attends, Monsieur Wafo. Vous osez me conseiller? Mais le monde est à l'envers. Vous disposez de combien dans votre compte? Je crois qu'à l'heure de la construction, tu ne seras même pas là pour voir. N'importe quoi. C'est pas normal ça. On veut construire ce pays avec des gens comme ça?
ça c'est quoi ça? Depuis, il y a des parents qui ne comprennent pas cela. L'argent ne peut rien faire, l'argent ne donne pas. Ça ne donne rien dans la tête. Ce n'est pas l'argent qui va mettre quelque chose dans la tête de cet enfant. Madame, le préservatif, pourquoi? Ils sont sous ce bonbon avec l'emballage. S'il vous plaît, on ne suce pas le bonbon sans emballage. C'est le fait de sucer ces bonbons sans emballage qui vous donne le VIH, SIDA. Ah, les grossesses marquées. Regarde la chaussure. C'est la chaussure d'un enfant, ça. Ça, c'est inadmissible. Un élève de première. Qui jette même ça dans l'eau, les poissons vont fuir. Regarde ta chaussure, c'est le bateau. Ta chaussure, la mieux jeter ça. Comment ça s'est salé mal à la vie? Regarde, il s'habille comme Siri qui c'est Siri qui. C'est ton problème. Regarde comme il est noir. Mon ami, t'es un Africain. Coupe présidentielle, là, c'est une simili. Comment? Oh, d'accord. Hey. Regarde. Et il faut souvent connaître que pour poser tes mots, c'est hey, ma chérie. Tu dis alors comment? Il laisse les guignols, là, ils vont te donner quoi? Laisse ta main. Bon, vous savez quoi? Vous m'avez trop fait rire aujourd'hui, là. Mais parmi vous, là, je suis désolée, mais il n'y a pas mon niveau. Nyanga, tu as demandé à me voir? Oui. Je suis là, je t'écoute. Ok. Je vais couper court. En gros, tu me plais énormément. Tu es le seul mec dans la salle qui m'attire. Tu vois, tu as la classe, tu es sexy. J'arrive à percevoir derrière, enfin, sous ta tenue, que tu as de beaux bijoux. Et j'aimerais que ces bijoux m'appartiennent. Tu vois? Nyanga, tu as comme impression que je suis faire à court, c'est ça? Naturellement. Mais arrête, tu ne vas pas me dire que je ne te plais pas comme fille. Tout dit vrai. Tu es une fille très sexy. Qui est aussi un bon très bébé. Élégante. Oui. En plus de ça, tu es jolie. Merci. Il faut que tu saches un truc. Quoi? Je sois vers Sorel. Écoute, là, on ne parle pas de Sorel. On parle de Nyanga. D'accord? Alors, tu vas faire l'effort d'essayer. Le fric qu'il y en a, d'accord? Nyanga. Oui. Ton argent, ta beauté, ton élégance, tout ça, quoi. Reste avec, je n'en veux pas, ok? Ah mais laisse arrête, non, laisse attends, écoute Nyanga, je suis sérieux quand je te parle, je veux pas que cela se... Essaye quand même, oh là là. Essaye d'abord, écoute, je sais bon. Que tu peux y arriver. Lève tes poings sur moi s'il te plaît. On te donne la carte de visite, tu n'appelles même pas. Ah ouais Seigneur, toi tu vois pas que c'est un vieux, tu vois pas que c'est un paquet. Tu crois, il y a un mec qui sent l'argent, il a un job plus sa voiture. Et je fais quand même mon gars mon frère, moi j'aime mon gars, il est ton gars là. On s'est juré fidélité, abstinence jusqu'au mariage. Et moi je veux pas le voir maintenant. Ah ouais, c'est un bon paquet comme ça, jamais. C'est un bout comme ça. Yeah, tu me laisses même d'abord tes sottises. Regarde, Max là, ton Max. Il est en train de sucer les lèvres de Nyanga. Attends, et en plus, Nyanga le manque. Je te dis pas. Laisse. On vous connaît. Laisse. Attends, tu veux savoir où ils sont. Laisse, je vais tout te dire. Localisation derrière la salle de 5e cours. Si tu veux, si tu veux pas, tu restes là pour l'abstinence avec ton Max. Ah, oh, je connais Max. Max ne peut pas faire les choses comme ça. Ah bon? C'est ce que tu dis, c'est ce que tu penses aussi. Derrière le 5e. Info sûr, si tu veux, tu crois, tu veux pas, tu viens, c'est la copie, la prière et ton Max à Tina. Allô? Ouais, ma puce, c'est comment? Attends, elle arrive. Ton mec embrasse comme un chat. Quand tu
qu'on t'a donné là. Tu appelles l'homme là dès ce soir. Je vais même t'accompagner. Tu appelles. Tu vois maintenant. Quand je te disais qu'on ne mange pas l'amour, toi tu me parlais que ton max. Voilà maintenant ce qui est arrivé. Mais quand même, laisse. Ça va passer. Oui, bonsoir. C'est Soren. Qui? J'espère que tu te rappelles la fille que tu as rencontrée hier. Ah, ok. Comment tu vas? Je t'appelais pour savoir si est-ce qu'on peut se voir. Non, il n'y a pas de souci. C'est pour ça que je te donnais ma carte, on peut se voir. Juste le temps pour moi de finir au bureau et puis je te rappelle, d'accord? Ok. Ok, c'est bon, allons-y. Salut Lego, ça dit quoi? Tu appelles qui Lego? Moi, c'est Petit Orange. Y'a quoi? Et en plus, tu viens faire quoi chez moi? J'ai déjà dit que je ne veux plus te voir avec ma soeur, non? Tu sais que je suis avec Sorel, non? Sorel qui? La soeur de qui? La prochaine fois que tu vas venir, je vais te faire un truc, hein? Écoute, j'ai d'abord avec ça. Mon beau! Y'a quoi? Eh, mon beau, c'est pourquoi moi j'étais à mort. En plein, non? Mais Sorel, ça veut dire quoi? Tu sors des classes aujourd'hui, je t'attends, je cherche, je te vois pas. Tu rentres à moi. Hein? Sorel, c'est quelle manière ça? Tu vois ton gars, c'est comme si tu n'as vu personne. Donc, bisous d'abord, non? Hey, stop! C'est quoi, Sorel? Maman, c'est qui? Max, entre-toi, c'est fini. Pardon? Je dis entre-toi, c'est fini. Par rapport à quoi? Sorel, ça veut dire quoi? C'est quelle manière ça? Tu passes de pas vivre avec Nyanga de l'OLC. Quand tu en passes, c'est lèvres niangalement. Écoute, Sorel, je m'excuse. C'est pas ce que tu crois. C'est pas ce que je crois. Laisse-moi t'expliquer. Tu expliques quoi? S'il te plaît, laisse-moi t'expliquer, non? Expliquer quoi dans ce que j'ai vu? Sorel, c'est ton gars. C'est ton gars. Frère. Écoute ce qu'il a te dit. C'est ton gars. Max, tu m'énerves alors tu es placé là. Pardon. Rentre chez toi. Sorel, s'il te plaît. Tu ne parles pas. Laisse-moi t'expliquer, non? Rentre chez toi! Tu n'es pas papa! Sorel, on ne fait pas les choses comme ça! On ne fait pas les choses comme ça! Qu'est-ce que tu t'es fait dire, quoi? Tu n'es pas papa! Tu n'es pas papa! S'il te plaît, Sorel! Sorel, tu fais ça, Mambo! Mambo, c'est ton gars! Insiste! C'est ton gars! Sorel! Tu vas au vélo! Tu es encore là! C'est quoi, Sorel? Tu es encore là, Max! Tu es là! Rentre chez toi! Mais ça veut dire quoi, Sorel? J'ai dit à un RSC. Comment tu peux verser l'eau à ton coucou, non? Ça veut dire quoi? Rentre chez toi! Je ne veux plus te voir! Rentre chez toi! Ah, Mambo! On va faire comment? C'est Tanga. Tu vas seulement aller te sécher. Mais entre temps, les fabs, que tu m'as dit là, il ne peut plus te guider ça. Donc, go seulement. C'est bon. Si seulement on pouvait faire un flashback en arrière. Oh, si seulement on pouvait se revoir lorsqu'on se disait je t'aime. Aujourd'hui on se hait. Pour un rien on se dit plus je t'aime. My lover, souviens-toi de ces moments. My love, moi je t'aime encore. Je t'aime encore. Je t'aime encore. Moi je t'aime encore. Encore. Je t'aime encore. Je t'aime encore. Oui, je t'aime encore. Encore. Señorita, c'est bien ça? Oui, madame. Oui, je sais que t'as pleuré. Dites-moi, qu'est-ce qui vous a motivé à faire le test? Mes parents comptent m'envoyer étudier à l'étranger. Et dans mes dossiers, il faut impérativement faire un test de VIH. Et s'il n'y avait pas eu ce projet d'aller continuer vos études à l'étranger, auriez-vous le courage de faire ce test de VIH? Non, je n'aurais pas eu le courage. Et pourquoi, mademoiselle? Je sais pas. Vous deviez savoir que le VIH-Sida est une maladie comme toutes les autres. Madame, vous me parlez, vous me racontez tout ça, pourquoi? Écoutez-moi, mademoiselle.
Connaissez vous ce qu'on appelle les antirétroviraux? Non, madame. Très bien. Ce sont les médicaments pour les séropositifs. Madame, vous racontez quoi là? Un séropositif doit suivre bien son traitement et mener une bonne hygiène de vie pour ne pas faire la maladie. Car un séropositif et un sidéen sont deux personnes bien différentes. Madame, vous racontez quoi là? Donnez-moi mon résultat, je pars. Sachez que vous êtes séropositif, mademoiselle. Je suis désolée. Ce n'est pas vrai. Je suis foutue. Vous n'êtes pas morte. Ça va aller, mademoiselle, ça va aller. Essayez juste de suivre le traitement en prenant vos antirétroviraux. Je suis foutue. Ça va aller, mademoiselle, ça va aller. Mademoiselle Inès. Oui, docteur. Sortez-moi le dossier de Seyonta. Ok, n'est-ce pas, docteur? Okay, dépêchez-vous. Mademoiselle Ngotumba Señorita. Ok, je l'ai. Dites-moi où c'est fréquent. Selon le dossier affectant le lycée Les Frères Unis. Quelle classe? En première D. Merci. Docteur, qu'est-ce qu'il y a? Ça ne vous regarde pas. Oui, allô? Allô, chérie. Oui, salut, mon amour. La gourmette que je t'avais offerte, elle est où? Ah, la gourmette? Non, non, tu sais, je l'ai sur moi. Oui, je l'ai avec moi. Ah, oh, d'accord. Je te l'avais dit, je ne voudrais jamais que tu la lèves de ton poignet. Ah, tu sais, je ne peux pas m'amuser avec un cadeau que tu m'as offert comme ça. Oui, surtout qu'il représente l'anniversaire de notre mariage. Oui. Non, non, je ne peux pas m'amuser avec. Ok. Et tu, en plus, il y a autre chose? Tu as souci au boulot? Non, 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 c'est tout, c'est tout. Bisous, bisous. Ah, ok. Ok, d'accord. Je t'aime. Bisous. À ce soir. Comme ça, monsieur me manque. Sans que je vais tuer quelqu'un. Ah, je suis mort. C'est comment? J'ai donné le bracelet à la señorita. Je ne sais pas comment il fait pour retirer ce bracelet. Où est-ce qu'elle est? Mademoiselle señorita. Mademoiselle Bonjour. Oui. Elle vient de partir, s'il vous plaît. Ça va chauffer. Docteur, qu'est-ce qu'il y a? Je t'aime encore. Je t'aime encore. Oui, je t'aime encore. Encore. Oui, je sais que t'as pleuré. Souvent quand j'ai déconné. Oh, oui, Mayam, nous gagnons, peu, maman, gaboué. Maza, ou bidou, gay. Comme comme chat. I know, I heard you so bad. Baby girl, no, I did it go right. Tu ne vas pas à l'école aujourd'hui. Tom, tu ne vas pas à l'école, pourquoi? Toi et moi, on n'a pas le même destin. Et en plus, Tom, tu sais que je suis un benguiste. Je ne suis pas comme toi. Comment? Bonjour maman. T'en es là. Ah Clémence. Hé, hey, Mimi, tu es déjà là. Oui, Sorène, non. Tu n'es pas allée à l'école aujourd'hui. Je suis malade, non. Tu as quoi, hein? Je suis malade, non. Et tu as quoi? Je sais pas. Attends, prends le sac. Ma Cécile, tu dis que tu as quoi? Depuis le matin, non, mon corps fait un genre, elle me sent pas bien. En tout cas, il y a 500 au chevet du lit là-bas. Tu prends et tu te débrouilles là-bas, tu vas chercher quelque chose, les paracétamol chez docteur là-bas. Tu te débrouilles avec. Et nous allons. Si seulement
on pouvait faire un flashback en arrière. Oh, si seulement on pouvait se revoir lorsqu'on se disait je t'aime. Aujourd'hui on se hait, pour un rien on se dit plus je t'aime. My lover, souviens-toi de ces moments. My lover, moi je t'aime encore. Je t'aime encore, je t'aime encore. Moi je t'aime encore, encore. Je t'aime encore, je t'aime encore. Oui je t'aime encore, encore. Oui je sais que t'as pleuré souvent quand j'ai déconné. Oh, et Mayam Nungayon, Bubu Mamungaboué, Mazao Bidouge. I know I hurt you so bad. Baby, girl, I know I did it go right. I measure affection, your love, everything that I share with you. Bonjour madame. Bonjour à tous. Bonjour madame. Madame, vous êtes mignonne. Nous allons faire aujourd'hui le cours sur la démocratie. Voilà, Lady Gaga. Pourquoi vous êtes là? C'est pour l'inscription. Vous êtes là pour? Pour l'inscription. Eh ben. Tu veux t'inscrire dans notre établissement? Oui, monsieur. Eh ben. Monsieur le général. Oui, directeur. Mais c'est quoi ce bordel? Monsieur, nous sommes pas là pour blaguer. Nous sommes pas là pour nous amuser. Quelqu'un a quelque chose à ajouter? Ok. Pensez-vous que le Cameroun est un pays démocrate? Oui, madame. Pourquoi? Debout, s'il vous plaît. Parce que, premièrement, au Cameroun, tout le monde peut faire ce qu'il veut. Tout le monde a le droit de dire ce qu'il pense. Et personne ne peut dire le contraire de ce que l'on va dire. Ok. Quelqu'un? Ok, tu peux approcher. Constatez de vous-même, vous pensez qu'un enfant comme ça peut être accepté dans cet établissement? Effectivement, monsieur, c'est pas passer. C'est regardez ça. Sa chevelure. Il va venir empoisonner l'environnement dans notre monsieur, vous devez vous coiffer. Le port, ça coûte la même chose. Tu peux faire un genre, non? Donc, je peux même pas nous payer une console. Ouais. Moi, tu m'as habitué comme ça, là. Je suis habitué. Quand elle me dit ça avant de m'appeler. Ce ne sera pas toujours nyanga, 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 nyanga. Maintenant, tu dois comprendre que toi aussi, tu dois mettre la main dans la bouche. Ah bon? Ben oui. Attends, qu'est-ce qui arrive? Ça me fait carrément. Vous allez flinguer. Et c'est pas tout. Assis. Regarde, regarde. Ça va bien? C'est comme tu veux.
voir. Vous me bien le monde est petit. Qu'est-ce qu'elle fait dans ce snack? À ton avis. À mon avis, comment? Ferme les yeux, regarde. Oui, ça va bien. Et toi? Ben, c'est la première fois que tu as accepté un de mes rendez-vous. Ah, tu sais, il y a toujours une première fois dans la vie. Hein. Ça fait longtemps? Ah, c'est vrai, je me sentais pas bien. J'étais malade, donc c'est vrai que c'est maintenant que ça essaye d'aller. Parce que je t'appelle au téléphone, tu ne prends pas le téléphone, je me suis posé des questions. Tu sais, quand on est malade, là, c'est pas facile de rester avec le téléphone. Là. Ah ouais, c'est vrai. Ben, il a fallu du temps quand même. Ouais, c'est essentiel. Sinon, ça va? Bon, ça va. Je vous présente mon ami, lui c'est le chat. Le chat, et voilà ma copine, elle c'est Nyanga, et voilà sa copine. Serveuse. Hey Dieu, toi tu appelles la serveuse, qui va gérer? Depuis quand tu te mêles de nos affaires, en ce qui nous concerne, oui. N'est-ce pas? Elle va te dire même. De quoi je me mêle? Reste calme, baby, qu'est-ce qui va pas? Explique-moi. On finit ce pot, on va chez moi, non? Sans problème. C'est grave, mon cœur. L'opération Hypervie a pris mon père. Et on a bloqué tous ses comptes bancaires. Mais écoute. Et tu sais que si papa n'a pas d'argent, moi aussi. Ça veut dire quoi? Tu nous amènes à soir dans un snack et tu m'amènes et tu fais en sorte que j'appelle mon ami, on va s'asseoir, tu me racontes les soucis. Donc si je ne paye pas à boire, tu ne peux pas le faire? Tu es malade, avec quel argent? Je n'ai pas d'argent. Qu'est-ce qui va pas avec toi? Tu es obligé de m'appeler que tu es t'asseoir et. De quoi j'appelle mon frère, combien ça toi tu me regardes? Ça me va pas dans ta tête? N'importe quoi, tu enlèves ton poids. En tout cas, ne t'inquiète pas, je sais comment on va gérer. Ton là. Ben oui. En tout cas, ma copine, il faut que je quitte le public avant que le public ne me quitte. Qu'est-ce qui t'arrive là? Qu'est-ce qui t'arrive? C'est quoi cette façon de me parler? En tout cas, hein. En tout cas, quoi? Ça veut dire quoi? Tu pleures ou quoi? Ma copine laisse. Attends, tu pars, ma belle. Dans la vie, ce sont les affaires qui comptent. Bon, moi, c'est ce que tu me dis aujourd'hui. Mais t'inquiète, on s'appelle. Donc, comme Nyanga n'a plus l'argent, tout le monde quitte Nyanga. Sorel. Bonsoir. Quoi encore? En fait, je voulais juste te dire ce que tu as vu la dernière fois entre Donga et Nyanga. C'était rien. C'était juste un plan machiavélique monté par Nyanga elle-même. C'est vrai, j'y ai participé. Mais s'il te plaît, si tu peux me pardonner. S'il te plaît, Sorel, pardonne-moi.
vie qui ne se soigne qu'avec de l'argent. Je t'ai même pas dit ça. Elle a versé l'eau sur moi. Je suis rentré tout trempé, je te demande pour gagner quoi. Si c'est le moment, on pouvait faire un flashback en arrière. Oh, si seulement on pouvait se revoir lorsqu'on se disait je t'aime. Aujourd'hui, on se hait. Pour un rien, on se dit plus je t'aime. My lover, souviens-toi de ces moments. My lover, moi je t'aime encore. Je t'aime encore. Je t'aime encore. Moi je t'aime encore. Encore. Je t'aime encore. Je t'aime encore. Oui, je t'aime encore. Mais c'est comment? Où va-t-on? Je pensais qu'on allait chez toi. Allons-y, c'est chez moi, c'est moi qui t'amène. Jusqu'où comme ça, va? Allons-y, allons-y. Ambrose. Allons-y, je vais pas te mordre. Allons-y. Lorsqu'on se disait je t'aime.